Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je ne sais pas du tout pour qui je vais voter à la présidentielle de 2022, ni même si je vais aller voter. Mais en tout cas, ce ne sera ni pour Marine Le Pen, ni pour Florian Philippot. Voilà, vous pouvez être rassurés. Vous écoutez Mansplaining, épisode 30. Violence et colère, aux sources d'une extrême droite en quête de respectabilité. Un podcast Slate.fr. Vous commencez à avoir l'habitude de m'entendre introduire chaque épisode en décrivant sommairement qui je suis, parce que c'est important d'expliquer d'où on vient avant de pouvoir évoquer son rapport aux autres et à l'existence. Comme vous le savez, je suis un homme hétéro, blanc, cisgenre, mais je pourrais aussi ajouter que je suis issu de la classe moyenne, que je gagne actuellement plutôt bien ma vie, que je suis valide, que je suis agnostique. Bref, à titre personnel, je n'ai rien à craindre du Front National, ou plutôt du Rassemblement National, même si le nouveau nom, en fait, on s'en fout, puisque l'ADN est le même. En revanche, j'ai peur de ce que le RN est capable de faire à toutes les personnes qui, contrairement à moi, ne cochent pas toutes les cases du grand loto des privilèges. Partant du principe que la diabolisation pure et simple de ce parti ultra dangereux ne fonctionne plus, voire même qu'elle n'a jamais fonctionné, les réalisateurs Mathias Théry et Étienne Chailloux, à qui on doit le très bon documentaire La Sociologue et l'Ourson, ont passé une partie de l'année 2017 à suivre un jeune picard nommé Bastien, militant de ce parti qu'on appelait encore Front National. Le résultat est un long métrage qui s'appelle La Cravate et qui sort dans les salles françaises ce 5 février. J'ai pu m'entretenir par téléphone avec les deux réalisateurs, en commençant par demander à Mathias Théry de me décrire le dispositif mis en place dans le film, parce qu'il n'est pas anodin. Nous avons suivi pendant 6 mois un militant du Front National dans le nord de la France, nous avons suivi sa tentative d'ascension au sein du parti, donc c'est une immersion dans le parti et dans sa vie privée. Et plus tard, à la suite de ce tournage, nous avons rédigé un texte qu'on a conçu un peu comme une petite nouvelle ou comme un petit roman qui raconte l'histoire de l'ascension de ce jeune homme. Et ce texte, nous lui avons soumis devant la caméra, c'est-à-dire que le film commence, c'est lui qui ouvre l'histoire, qui raconte sa vie, et il a le pouvoir à tout moment d'arrêter le texte, d'arrêter le récit et de commenter ou discuter avec nous à propos de ce récit. Donc d'arrêter le film d'une certaine manière. C'est un système futé à plus d'un titre. D'abord parce qu'il injecte une dimension littéraire au récit du parcours de Bastien, mais aussi parce que personne ne pourra accuser les cinéastes d'avoir piégé le jeune homme en le poussant à tenir des propos qu'il aurait pu regretter ensuite. Faire relire posément à Bastien le récit de sa propre vie, c'est notamment s'assurer qu'il assume tout ce qu'il a pu dire ou faire par le passé. Bastien est un type d'une stature imposante, dont le visage pourrait avoir quelque chose de doux s'il n'y avait ce regard noir, gorgé de détermination et de violence à la fois. D'emblée, on a l'impression d'un mec qui pourrait presque être sympathique si sa vision de la société n'était pas aussi détestable. Ce sont des recherches pour un reportage télé qui ont placé Bastien sur la route des réalisateurs. Ils ont tout de suite trouvé chez lui à la fois un côté très représentatif d'une partie des militants d'extrême droite, et aussi de vraies singularités qui le rendent particulièrement intéressant. Mathias Théry. On se rend compte qu'on a face à nous un personnage de film aussi, ou un personnage de roman, et qui, à des moments de sa vie, est le reflet de ce qui se passe en France et à des moments et dans son histoire unique, parce qu'on a tous une histoire unique. Mais notre objectif, c'est pas de pas faire un panel représentatif, ça c'est plutôt le travail des journalistes, on va dire. Ou des sociologues, ouais. Ouais. Alors que nous, on fait du cinéma, le cinéma raconte le particulier et s'il est réussi, parle du général. Étienne Chailloux a tenu à me raconter d'où venait Bastien et en quoi il n'avait pas tout à fait le profil type du militant FN tel qu'on se le représente. D'après nous, ce qui l'associe à la famille du Front National, c'est cette colère larvée qu'il a en lui. Mais par contre, ce qui le dissocie, c'est pour moi, c'est beaucoup, c'est l'histoire, son histoire familiale et donc son origine sociale. Là où le stéréotype du Front National du Nord, c'est du Nord, c'est souvent des gens pauvres qui au chômage qui subissent une désindustrialisation très importante dans leur environnement. Bastien, il est en Picardie, il a pas souffert du chômage dans sa famille. Son père était dirigeant d'entreprise par exemple, mais il a quand même une colère en lui quoi. Et cette colère, on l'a retrouvée chez les autres pour d'autres raisons. Mais on a senti que c'est ça qui les unifiait. La colère. Voilà un sentiment qui me terrifie, en tout cas lorsqu'il émane de personnes dont je ne comprends absolument pas pourquoi elles l'éprouvent. Bastien est plutôt bien né, il a du boulot, une petite amie, bref, il est difficile de comprendre d'où viennent la colère et le profond sentiment d'injustice qui l'anime.
En tout cas, c'est bien cela qui le fait avancer. Bastien a une vision traditionnaliste de l'existence, avec un plan de vie tout tracé, et il ne supporte pas que des imprévus ou des invités surprises viennent faire dévier sa trajectoire. Comme l'explique Mathias Théry, si Bastien ne veut pas qu'on touche à sa France, c'est en grande partie parce qu'il ne veut pas qu'on touche à son statut d'homme. On sent que dans la vision traditionnaliste des gens qui sont qui regrettent, qui se disent un peu regretter une organisation sociale ancienne, il y a cette place de l'homme. Cette place de l'homme qui est fort, viril, qui est le chef de famille, qui est dans une place très différente par rapport aux femmes. La femme, c'est la maison, les enfants, la délicatesse. L'homme, c'est le pouvoir, l'argent, la force. Et pour être un homme, faut être un dur, quoi. Et on sent que Bastien a été un peu biberonné à ses valeurs, à ses normes. Un peu plus tôt dans le film, même il dit qu'il avait un plan de vie avec sa copine. Il avait prévu d'être marié avant ses 25 ans et d'avoir un enfant après le mariage, et que l'enfant devait être un fils. Et que s'il n'avait pas un fils, il devait recommencer jusqu'à ce qu'il ait un fils. Ça, c'est des schémas des masculinistes. Un sentiment de colère et l'envie obsessionnelle d'être un homme, un vrai, ça crée des êtres dangereux, des cocottes minutes en puissance, qui peuvent se montrer d'une douceur absolue lorsqu'ils se sentent en sécurité, mais dont le vrai visage peut apparaître à tout moment, à la moindre contrariété. Il y a dans La Cravate un épisode absolument glaçant qui illustre cela mieux que n'importe quel discours. Un soir, Bastien rentre du Laser Quest dont il est le gérant, les mains en sang. Et tandis qu'il fait couler le robinet d'eau froide pour apaiser sa douleur, il raconte ses déboires avec deux clients un peu trop agités. Ils foutaient un peu le bordel, un peu trop. Du coup, je les ai dégagés, je leur ai dit qu'ils partent. Ils m'ont dit qu'ils voulaient être remboursés, qu'ils partiraient pas comme ça. Je leur ai dit que non, j'avais aucune raison de les rembourser, qu'ils dégagent, point barre. Les mecs, je les ai foutus dehors. Je fais ma caisse tranquille. J'ai fermé. Puis ils m'attendaient dehors. Puis ils me sont tombés dessus. Il y en a un en me disant, ouais, tu veux nous rembourser maintenant, sinon ça va mal se passer. J'ai dit que je ne les rembourserais pas, qu'ils avaient qu'à dégager, c'est tout. Donc il a commencé à me pousser en me disant, bah écoute, tu vas nous donner tout ce que tu as, ça va nous rembourser. J'ai dit, bah écoute, le seul truc que j'ai, c'est les papiers qui vont te ramener en Afrique. Puis le mec il m'a poussé, il me fait, qu'est-ce que tu me veux toi, ça fasse de craie, etc. J'ai dit, comment? Et moi ça m'a énervé, du coup je l'ai frappé. Et puis voilà, j'ai les explosé, quoi. Tu les as explosés? Ah ouais, complètement. Je les ai défoncés. Je suis pas de nature méchant, mais quand on me saoule. Putain, enculé. J'ai horreur de la racaille qui se croit plus fort que tout le monde. Pendant qu'il raconte cet épisode, on peut voir Bastien faire les 100 pas dans la pièce, sous le coup de l'adrénaline, le regard rempli de fierté. Bastien est fier d'avoir pu montrer sa supériorité de mâle en tabassant deux autres hommes. Bastien jubile d'avoir pu asseoir sa domination d'homme blanc et de s'être vu servir sur un plateau l'occasion de cracher son racisme au visage de ses assaillants. Là, la colère et la violence n'ont plus rien de rentré. Elles s'expriment et elles éclaboussent absolument tout. Le Bastien de cette séquence fait peur, très peur. Il n'est plus possible de le trouver sympathique, à moins évidemment de partager son racisme et son amour du sang. Bastien commence une phrase qu'il ne termine pas en disant « Je ne suis pas de nature méchante, mais quand on me saoule… » On est là dans un parfait discours d'homme baignant dans la culture de la violence. S'il frappe, c'est forcément parce que les autres l'y ont contraint. C'est parce que les autres ont manqué de respect, parce qu'ils ont dépassé la ligne blanche. Dans le cas de l'histoire racontée par Bastien, et à supposer que sa façon de relater les faits soit exacte, il s'est effectivement retrouvé dans une situation difficile qui l'a poussé à réagir. Mais dans son récit, ce n'est pas le besoin de se défendre qu'on entend. C'est le besoin de faire jaillir le sang, de s'abîmer les mains à force d'exploser l'autre. Voilà une parfaite caractérisation de ce que fut le Front National et de ce qu'est maintenant le Rassemblement National, un parti politique qui nous affirme qu'il n'est pas de nature méchante, mais que quiconque essaierait de s'y opposer finirait par en prendre plein la tronche. Bastien est le personnage principal de La Cravate, mais il n'est pas le seul protagoniste masculin du film. Les deux réalisateurs le filment notamment aux côtés d'Éric Richermoz, jeune loup du FN, qui fut notamment candidat aux législatives de 2017 dans la Somme, et qui a depuis rejoint les Patriotes de Florian Philippot. Éric,
ce n'est pas du tout le même profil que Bastien. On sent tout de suite qu'il a le charisme et la prestance recherchés pour parvenir à gravir les échelons. Eric s'exprime bien, on l'imagine photogénique et télégénique. La relation des deux hommes est passionnante. On comprend assez vite que Bastien, qui se voit déjà grimpé au FN, va vite être bloqué par ses allures de brute épaisse et son manque de prestance, tandis qu'Eric, avec ses yeux clairs, ses costards bien taillés et sa rhétorique millimétrée, a tout pour en devenir un cadre. Entre les deux hommes, le rapport qui s'installe est dès le départ dominé par celui qui a fait des études. D'ailleurs, ce que dit Étienne Chailloux sur les mecs de la trempe d'Éric Richermoz est absolument saisissant. C'est-à-dire que Éric, il s'impose au Front National parce qu'il a fait des études supérieures et il sait très bien qu'il est dans un milieu où, où les gens font moins d'études, quoi. Donc, moi, je pense qu'il y a toute une partie de cadres, de jeunes cadres de ce mouvement-là qui est allé vers ce mouvement pour briller. C'est-à-dire qu'ils se réclament tous du gaullisme. Ils disent tous qu'ils sont pas racistes et allez, on peut essayer de les croire un instant, mais en tout cas ils ont choisi d'aller vers ce milieu. Moi, je pense qu'ils y vont par ambition pure, parce que c'est l'endroit où ils peuvent être un peu plus forts que s'ils allaient chez les Républicains ou dans d'autres partis plus traditionnels. Je trouve que ça nous en dit énormément sur la nature humaine et en particulier sur celle des hommes, puisqu'Étienne Chailloux et Mathias Théry ne filment quasiment que ça. Pour davantage de pouvoir, ces mecs feraient n'importe quoi, y compris faire leur trou au sein du parti le plus nauséabond de France. Pour eux, l'essentiel, c'est de se sentir puissant, de marcher sur les autres. Et c'est là qu'intervient justement la fameuse cravate. Dans le film, elle constitue vraiment la marque de ceux qui ont pris du galon et qui veulent montrer qu'ils ne sont pas, ou plus, des petits militants de quartier. Ils enfilent des costumes, ajustent la fameuse cravate et partent en quête de reconnaissance. La reconnaissance de leur électorat potentiel, mais aussi la reconnaissance de leur père. On sent un besoin chez ces hommes de créer leur meute et de tout faire pour en être le mâle dominant. Tout cela rappelle les cours de masculinité prodigués par Julien Rochedy, lui-même ancien directeur du Front National de la Jeunesse. Dans ses vidéos, il explique notamment qu'un vrai homme doit constituer un groupe autour de lui et que la meilleure façon de créer l'unité est de se trouver un ennemi commun. Et c'est comme ça que marche le FN ou le RN. On trouve des boucs émissaires en les piochant systématiquement dans les catégories les plus vulnérables et on s'en sert pour cimenter le collectif. C'est au moment où il se met à porter la cravate que Bastien commence à comprendre que sa destinée ne sera clairement pas la même que celle d'Éric. Même l'essayage des costumes et le choix du meilleur accessoire permettent à l'un d'asseoir sa domination sur l'autre. Aujourd'hui, tu veux mettre laquelle ? Quoique celle-là, ça va. Hein. Ça va très bien avec ça. Hein. Je pense que celle-là sera plus facile à mettre avec tes couleurs. Ton costume est bien. Mais le fait qu'il y ait un noir et que tu sois tout le temps en noir... Non, mais après, il filme, je vais dire des trucs. Non, parce que c'est un peu les... Les gens qui mettent des costumes noirs dans la vie tous les jours, c'est les vigiles de Carrefour. Ouais. Ah, ok, d'accord. Pour Étienne Chailloux, il y a plusieurs sens à la cravate. Un lié à Bastien, et un davantage lié au Front National. Pour Bastien, d'après nous, c'est quelque chose qu'il poursuit. C'est de devenir quelqu'un de respectable, et de devenir par là même un adulte, c'est-à-dire de réussir à guérir de ce qu'il a traversé lorsqu'il était adolescent, et d'un seul coup porter la cravate, devenir revenir dans l'arène publique, revenir au centre du social, quoi. Et ne peut plus être marginal comme il l'a été. Pour le Front National, c'est plutôt rappeler qu'on est face à un parti qui est devenu institutionnel, qui a choisi de travailler sur le terrain politique, là où pendant longtemps ça a été un parti lui aussi hors des clous, quoi. Qui n'hésitait pas à montrer les dents, à être assez violent. Voilà, donc c'est aussi pour rappeler que, attention, c'est un parti dangereux. Aujourd'hui, on l'invite sur les plateaux télé, on considère qu'il est comme les autres. Alors que, moi, si je me souviens, quand j'étais jeune, sur les plateaux télé, quand on disait le FN vient, c'était un débat, quoi. Est-ce qu'il faut vraiment que le FN... Est-ce qu'on doit vraiment l'inviter, quoi. Cette vaste entreprise de dédiabolisation est hyper bien campée dans la cravate. Cela rappelle, de façon moins démonstrative, le film « Chez nous », réalisé par Lucas Bellevaux, où une citoyenne quasiment lambda était parachutée candidate à une élection locale dans le but d'injecter féminité, jeunesse et fraîcheur dans un paysage politique en demande de nouveaux visages. Reste que derrière les nouveaux visages, qu'ils aient l'air sympathiques ou patibulaires, il y a tout un tas d'idées qu'il faut combattre, discussion après discussion et élection après élection. Parmi elles, entre autres, il y a l'homophobie, à propos de laquelle Étienne Chailloux a bien voulu me raconter le contenu d'une scène finalement coupée au montage. Lors de cette scène, notamment, on parle de la gêne qu'il a quand il côtoie Philippot, qui nous avait
nous avait dit, parce que Bastien était assez homophobe hein, quand même, quand on le suivait, il a changé depuis. Et Philippot, c'était de notoriété publique, enfin qu'il est homo. Et voilà, donc on évoquait ça et on disait que qui mettait dans la balance le désir d'être de grimper, la fierté d'être à côté de lui, d'être de parmi les cadres et de ceux qui comptent, et cette petite gêne qu'il avait toujours au fond de côtoyer un homosexuel. Plusieurs fois au cours de notre entretien, Mathias Théry et Étienne Chailloux ont insisté sur le fait que Bastien avait évolué depuis le tournage de La Cravate, que ses idées n'étaient plus les mêmes, et qu'il avait réellement changé. Comme cela ne concerne pas directement le film, et parce qu'ils souhaitent respecter la vie hors caméra de Bastien, ils n'ont pas souhaité m'en dire plus. Mais cela a relancé mes interrogations personnelles sur la possibilité ou non de devenir quelqu'un d'autre quand on est raciste, ou homophobe, ou violent, voire tout cela à la fois. Je ne sais pas s'il est possible de faire un jour confiance à un homme qui a passé une partie de sa jeune vie à taper, au sens propre comme au figuré, sur tout ce qui ne lui ressemble pas. Je ne sais pas si on peut croire à sa respectabilité nouvelle, ou si la haine est juste enfouie, derrière une cravate ou n'importe quel autre artifice, ne demandant qu'à être stimulé pour exploser de nouveau. Voilà, c'était l'épisode 30 de Mansplaining, un podcast proposé par Slate.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous habitez dans les environs de Rennes, cela me ferait extrêmement plaisir que vous réserviez votre soirée du samedi 15 février. Avec Pauline Mallet du podcast Sorociné, on vous proposera de regarder le film Thelma et Louise avec nous, puis d'assister à l'enregistrement d'un podcast crossover, au cours duquel on se demandera si le cinéma a un genre. Ça se passe dans le cadre du festival Travelling, et ça devrait être assez chouette. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining@slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. À dans 15 jours!